Ohayo gozaimasu! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Nous allons déballer des achats manga spécial Bazar du Manga, et donc c'est un partenariat avec eux, comme souvent en ce moment, je dois admettre. Donc il y aura une pub à un moment donné dans la vidéo. On attaque avec les Chevaliers du Zodiac. Chevaliers du Zodiac ici, première édition et non pas la Perfect Edition. En soi, je sais pas, en fait j'hésite vraiment à acheter toute la Perfect Edition, ou alors je continue cette édition là, je sais pas. Mais en tout cas, je continue celle-ci, donc je sais pas si celle-ci je la vendrai après ou pas, mais je crois que je la garderai parce que c'est la première édition. Du coup, je sais pas, j'aurai peut-être les deux. Mais sinon, c'est le tome 20 et 26 simplement pour compléter ma collection. Bazar du Manga avait encore un Kyo, le Samurai Deeper Kyo. En double tome, parce que c'est exactement cette édition là que je recherche, donc le premier tome 1 et 2. Donc voilà, donc maintenant ça m'en fait 9, il m'en manque plus que 10, ça avance assez rapidement, donc j'espère avoir du bol et trouver le reste assez vite. Mais du coup, bon, j'avais déjà Deeper Kyo d'autres éditions, et du coup, voilà, j'ai pu déjà commencer à lire, mais ici je trouve l'édition vraiment sympa. En fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ici, je vais les relire bien évidemment. J'aime beaucoup parce qu'on a le tome 1 ici et on a la jaquette de tome 2 là. Donc je trouve que ça change pour une édition double, une espèce de deux édition. Du coup, enfin, j'aime bien. Et donc c'est vraiment cette édition là que je veux. Je le répète pas assez, mais si vous l'avez et que vous la vendez, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Je vous l'achèterai d'office. Nana. Alors Nana, l'édition a été stoppée chez Delcourt. Non, c'est Delcourt Tankam. En bout de 21e tome. Bon, après, il y a l'animé et tout ça. Je la complète. Simplement parce que c'est quand même un classique. Et que, je me dis que c'est quand même intéressant de l'avoir dans ma collection. Même si, effectivement, il n'y aura pas la suite. Et que si un jour je veux la lire, je devrais aller sur Internet ou autre. Dans ce cas, ici, voilà, je ne suis pas encore 21e tome. Je vous dirai quoi peut-être plus tard. Alors, un truc qui est fou, c'est qu'on a des tailles de tomes complètement différentes. On a, par exemple, on a un tome comme ceci. Je vais prendre le 9, enfin je vais prendre plutôt le, prendre le 7, voilà, attendez, 7 et le 9. Une différence de fou en termes d'épaisseur, c'est dingue. Vraiment, limite, on a deux tomes. Attendez, hop. Allez, on a presque un demi-tome là. On a un tome et demi. C'est assez dingue, hein, un tome et demi. Voilà, alors que c'est la différence entre le 7 et le 9, il n'y a pas une différence de dingue, mais on a une épaisseur de fou. Donc c'est assez bizarre de voir des largeurs comme ça énormes en plein milieu d'une collection. Mais donc voilà, donc ça c'est surtout parce que, comme j'avais dit, je complète ma collection actuelle, donc tous mes tomes manquants, et ça en fait partie, et donc merci Bazar du Manga. Et voilà, maintenant ce sera le petit instant publicité spécial Bazar du Manga. Vous êtes étudiant et n'avez pas la possibilité d'acheter des mangas neufs? Ne vous en faites pas, Bazar du Manga est là pour vous. Des mangas en excellent état à des prix complètement fous. Bien entendu, cela n'est pas que pour les étudiants, cela est également pour les personnes à la recherche de mangas plus édités ou encore des mangas très très rares. Vous y trouverez des mangas à l'unité, des intégrales, voire même des lots de mangas. Alors n'hésitez pas à aller sur le site Bazar du Manga et utiliser le code AKIRA5 qui vous donnera moins 5% sur votre panier. Du coup, direction sur le site Bazar du Manga. Et alors, en fait, cette vidéo se clôture déjà parce que c'était un plus petit colis. Et alors, on a en fait un intégral. Donc c'est La Main Droite de Lucifer. Intégral en 6 tomes et en un état impeccable. Donc ça, c'est vraiment cool. Pas encore lu, c'est édité chez Kiun. Donc ici, je vais vraiment découvrir ça. C'est en 6 tomes. Je pense que ça va être une chouette histoire. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. C'est très différent de ce que j'ai pu lire d'habitude. C'est le premier long manga de, en tout cas centré sur la médecine. Et donc ça, c'est vraiment bizarre. Pour moi, c'est tout nouveau. Mais il faut découvrir de nouvelles choses. Et ça, c'est ce que je comprends de plus en plus au plus je lis de manga. Et donc je suis
content de pouvoir découvrir cette série. Cette vidéo est donc terminée, merci à Bazar du Manga pour le colis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du tout à mettre un like, à partager cette vidéo et à mettre un commentaire sur si vous voulez que j'améliore quelque chose, si vous voulez un manga en particulier dans les achats manga que je vous parle, ou une question par rapport à un manga, est-ce qu'il va être dans une critique manga future, il faut pas hésiter, ça sert à ça l'espace commentaire. Par conséquent, comme à mon habitude, je vous dirai simplement, channel 登録お願いします. じゃあまた来週。